Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de pour tutoriel plus ou moins aussi toujours, mais voilà pour tester surtout le stylet Dagi. Et je voulais vous parler aussi de l'application Inspire, donc application de création graphique plus axée peinture traditionnelle. Donc voilà. Alors le stylet Dagi, pour pas vous dire de bêtises exactement, c'est le Dagi P507, donc que j'ai eu sur le site de Dagi directement pour, je crois que c'était 18 $, donc ce qui est pas grand-chose quand on voit le prix des autres stylets qui tournent autour de 15-20 € à chaque fois. Donc voilà. Avant ça, j'avais testé le Pogo Sketch Stylus de chez Ten One Design et le Bamboo Wacom. Et en comparaison, le stylet Dagi est nettement plus intéressant. Je dirais, voilà, nettement, nettement mieux. Personnellement, c'est ce que je pense. Pour la simple raison que lui, en fait, reproduit donc cette surface importante qu'on est obligé d'avoir dans tous les stylets pour ce genre d'écran comme l'écran de l'iPad et d'autres tablettes, écran tactile. On peut pas avoir un stylet avec une pointe, donc on est obligé d'avoir une surface assez importante pour reproduire ce qu'on a avec le doigt. Et donc l'intérêt avec le stylet Dagi, c'est que justement cette surface est transparente. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on l'oublie et on voit vraiment que la pointe du stylet, la pointe qui ressemble un peu à un stylo bic en fait, tout simplement. Et du coup, on n'a vraiment que cette pointe-là qui est visible et du coup, on peut vraiment dessiner avec un stylet pointu pour le coup. L'autre intérêt principal aussi de ce stylet, c'est qu'en fait le bout qui relie le joint qui relie le bout du stylet avec la surface ronde transparente est un genre de ressort en fait, ce qui fait qu'on peut le tordre et lui donner une certaine forme. Donc, par exemple, si vous regardez au début de la vidéo, moi personnellement, je lui ai donné une forme un peu en biais parce que je sais que je dessine jamais droit, je dessine toujours avec le voilà comme beaucoup de dessinateurs de le poignet posé sur le coin de la feuille ou ce genre de choses. Là, on peut pas le poser sur l'écran, mais voilà, c'est jamais droit. Donc du coup, je l'ai tordu de telle manière qu'il soit un petit peu en biais naturellement. Ce qui fait qu'en fait, quand la surface ronde transparente touche l'écran, le trait du coup arrive directement là où j'ai envie qu'il arrive. Ça serait pas le cas, par exemple, si j'avais laissé le stylet tel qu'il est, puisque du coup, en étant en biais, il y aurait d'abord une partie de la partie donc droite qui toucherait du rond transparent qui toucherait l'écran, et après viendrait se poser l'autre partie. Là, c'est pas le cas puisqu'il arrive je l'ai tordu de telle manière qu'il arrive directement sur l'écran. Donc voilà, il est vraiment, enfin, tout ça pour dire qu'il est vraiment personnalisable. J'espère que c'est assez clair. C'est vrai que ça peut, voilà, c'est pas facile à expliquer. Il vaut mieux le voir, et comme vous pouvez le voir, enfin voilà, on arrive vraiment à avoir un rendu très précis. Il est pas aussi bien, la prise en main est pas aussi bonne qu'avec le bambou, mais bon, ça, c'est vraiment un détail. On s'y fait quoi, c'est pas problématique. Mis à part ça, voilà, c'est vraiment un bon produit. Moi, j'ai rien à redire dessus. Autant j'avais quelques réserves sur le bambou, surtout au niveau du prix. Et voilà, bon, ça c'est du bon matériel, mais on reste sur un stylet qui est plus pour faire joujou que vraiment dessiner, ce qui est un petit peu dommage de la part de Bambou justement, enfin de la part de Wacom. Et là, on est vraiment avec un stylet qui pour le coup peut être utilisé pour dessiner et pour écrire. Donc pour toute la partie écriture, moi, ça m'intéresse pas trop. Moi, c'est vraiment pour le dessin et je voulais vraiment avoir quelque chose de précis. Là, ouais, si vous avez envie de dessiner sur iPad avec, vous pouvez y aller sans problème. C'est du bon matériel. L'autre chose intéressante aussi, c'est que justement, donc par rapport à cette surface ronde transparente, on pourrait croire que comme elle est en plastique et qu'en plus il y a ce que j'ai oublié de vous dire, il y a un petit sticker transparent pour protéger justement l'écran. Donc on pourrait croire que ça accroche un petit peu l'écran, que c'est un petit peu plus dur qu'avec un bout en mousse ou pas tous les petits voilà les pointes qu'on a pu voir sur d'autres stylets. Mais en fait non, c'est vraiment très agréable à utiliser et ça glisse tout seul. C'est voilà quoi, c'est ça abîme pas du tout l'écran, même si on a l'impression à chaque fois que qu'on a là j'ai pas le son sur la vidéo, mais à chaque fois on entend des petits tac 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 parce que voilà forcément le stylet touche l'écran, mais non il se passe rien, c'est vraiment y a aucun problème quoi. Donc voilà pour le stylet, vous pouvez y aller sans souci. Enfin si c'est ce que vous recherchez, c'est vraiment du bon matériel. Donc maintenant en ce qui concerne l'application, alors sur cette vidéo j'ai testé donc l'application Inspire. Donc application de création graphique qui a été développée par Kiwi Pixel, je crois. Oui, c'est ça, oui. Bref, alors pourquoi cette application? Bah parce que c'est vraiment là, avec Brushes, c'est la deuxième application
qui me branche vraiment sur iPad et sur iPhone et qui permet de faire quelque chose, d'avoir un rendu vraiment sympa au niveau de la peinture et tout ça. Ça reste pour moi clairement une application de peinture. Et là, on se rapproche vraiment de la peinture traditionnelle. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, il y a un rendu vraiment particulier, avec des brosses aussi particulières qu'on retrouve. On a un petit peu un rendu qu'on pourrait retrouver sur Corel Painter ou ce genre de logiciel. ArtRage, voilà, de ce genre de logiciel-là. Pour moi, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que je recherche principalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir tout l'intérêt d'une peinture traditionnelle, mais avec un support numérique. Donc pouvoir transporter tout l'attirail d'une peinture traditionnelle sans avoir à s'embêter avec un chevalet, une toile, des pinceaux, des peintures, même si je continue encore à peindre, hein, j'adore ça. Mais voilà, de temps en temps, ça fait vraiment plaisir de pouvoir travailler de manière traditionnellement, entre guillemets, parce qu'on est en numérique, sans avoir à se trimballer tout ça. Alors, donc cette application, par rapport à son style graphique, elle se démarque clairement d'autres applications comme Brushes ou Sketchbook qui est vraiment tourné vers le numérique, Brushes qui est entre les deux mais qui reste assez simple d'utilisation comparé à celui-ci, enfin à celle-ci. Donc dans cette application, vous allez avoir pas mal de, enfin quatre types de brosses qui imitent vraiment tout ce qui est peinture et surtout peinture à l'huile. Donc vous allez avoir une technique au couteau et une technique brosse où on voit vraiment les traits du pinceau. Et l'intérêt principal, c'est que si vous regardez en haut à gauche de l'écran, enfin de l'écran de la tablette, vous avez un petit pinceau qui est tantôt noir, tantôt blanc. En fait, vous avez accès directement à ça sur l'écran, ce qui est vraiment pas mal. Et le principe, c'est qu'en fait, quand il est blanc, le pinceau n'est pas chargé. Quand il est noir, forcément, il est chargé de peinture. Et quand il n'est pas chargé, on peut l'utiliser. C'est comme si on avait un pinceau de réserve à côté pour juste mêler les couleurs entre elles sur la toile ou pour lisser une certaine couleur, enlever certains traits. Donc, au fur et à mesure de la vidéo, si vous regardez bien, vous verrez que j'utilise assez souvent et que c'est vraiment sympa de l'avoir en raccourci comme ça directement sur l'écran. Et l'autre truc vraiment sympa, c'est qu'on peut exporter son image à la fin dans une grande résolution. Je ne me rappelle plus exactement à combien, mais je vous le mettrai sur le. J'essaierai de le mettre sur le billet à combien on peut l'exporter. Mais voilà, dans une résolution qui fait qu'on peut travailler sur PC sans problème, ce qui n'est pas le cas d'autres logiciels. Et surtout maintenant avec l'iPad 3, avec voilà, la résolution qu'on a, il y a beaucoup d'applications qui ne se sont pas encore mises à jour, des applications de la première heure justement comme Inspire et Brushes, qui se sont pas mises à jour et qui ont pas de qui ne sont pas compatibles Retina. Et donc avec Inspire, on n'a plus. On s'en fiche un peu parce que du coup, l'export permet justement de pallier à ce problème et du coup d'avoir quand même une image grande résolution à la fin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Voilà, il y a pas mal de délais entre les vidéos, mais j'ai pas mal de boulot à côté. Donc je peux pas, et puis ça prend du temps en fait au final de faire ça, même si ça a l'air très amateur pour l'instant, ça prend quand même du temps. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aidera si vous voulez vous lancer là-dedans. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et une bonne après-midi, j'avais oublié. Et je vous dis à la prochaine, bye!